Un chien méchant n'est pas méchant. Gè quelques jours que la police lui-même lagué à vie des recherches derrière citoyen ça qui c'est Claudie Célestin alias chien méchant qui c'est un gros bandit cap dirigé zone Bitboyé passé prend Kafou Chada quoi des missions tombé sur route Santoa. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs, journée jodi a même partisan bandit ça, mettez ensemble avec population qui dans zone là, mettez pied au dehors, foulez béton pour dire la police dégagez-le, pressez, retirez avis de recherche ça puisque après papa mon Dieu, c'est chien méchant qui protège yo, c'est chien méchant qui baille au manger, c'est chien méchant qui cause et l'autre bandit passe de l'autre côté vin déchèpe yo. En fait, chaque moun kap vive nan zone sa, eh bien, c'est chien méchant sa, qui campe devant barrière la kayo, qui cause yo pa kon mouri. Eh bien, m'bral explique ki jan manifestation sa tap déroulé, et ki jan la police li même arrive krasé manifestation sa, pour faire moun yo rentre la kayo avec dossier, fok la police rentre à vide recherche sa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bagala on ti jan paraît stupide. De toute façon, pas barricite, film, pas suspend monté. Eh bien, arrangez ou rale ti chèz payou, chita confortablement. M'pral bo tripotay la nan bon ti mamite, puisque ou se haïtien ou doué comprendre sa ka passe chaque jour pas barricite, est-ce que nous ta doué sorti al manifester pour yon bandi? Est-ce que la police t'a supposé entrer yon avis de recherche, li fin fait sortir des yon bandi à cause des populations qui a dit, chien méchant, c'est notre chien, il est pas méchant, il est très doux. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, m'pral bon, toute information, restez là, pas déconnecté, restez dans vidéo ça, jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore l'autre fois, m'abzou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou avec patience. Merci parce qu'on like ou partage et pour share vidéo. Merci parce qu'on invite un autre vin abonner ensemble avec Chanel ça pour venir rester connecté ensemble avec Foucault Zami Information. Soupon qu'on fait ça ou fait tomber, dégage au pressé. Abonnez ensemble avec Chanel là pour pas rater aucun tripotaille parce que pas Borisite nous bon zayana bon ti mamite. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs Kounia en nous démarrer. Est-ce qu'on est branché déjà? Parce que on pas veut aller qui tout. Mesdames mademoiselles et messieurs, j'en ai regardé photo ça là, monsieur c'est Claudie Célestin alias chien méchant. Nous capable garder sous Paul, on dirait monsieur t'ai un petit problème papier parce que moi le plein écrit sous Paul. C'est à tout, donc. De toute façon, je sais pas. Eh bien, la police t'a alagué à vie de recherche derrière les que yo t'a sorti plus passé 18 chefs bandits yo t'a plagué à vie de recherche derrière yo tout qui dans zone métropolitaine nan nous capable comprendre que Port-au-Prince li même li pourri puisque plusieurs nan yo c'est en dedans Port-au-Prince ak l'autre commune aux alentours que moun sa yo yo même yo. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui passait, vu avec déclaration ça, ou bien j'en m'étais capable d'il, vu avec publication, avis de recherche ça, la police t'y même t'es lagué derrière, chien méchant qui c'est Claudie Célestin, population en dit non, ça pas qu'à passer comme ça, c'est notre chien méchant d'où, donc nous capables de comprendre que la police lui-même l'a dit, faut que lui mette bandit en bas code, mais pas Borisite, bandit a aidé nous. Est-ce que nous comprenons niveau de sécurité que population lui-même li là-dedans? Et l'autre c'est maintenant, les bandits ça a sorti là, le kidnappé en l'autre, dans l'autre secteur, président! Toi, kidnapping! Mon petit Jean, oui, parce que, de bon kidnapping fait, président, vice-président, est-ce que c'est président qui fait vraiment? Ou bien, Jean-président te dit, c'est une insécurité programmée, ou bien, Jean te capable de dire, c'est entre nous gérer ça. Puisque, abse à Panandem, m'a prélé pesé. Oui, c'est même genre dernièrement, nous t'attendais, yo kidnappé yon moun, yo ap entré en dedans village de Diavel, c'est comme si son moun kap sorti l'église, kap sorti marié, tout moun a bat bravo parce que l'argent fait.
Mais pas oublier moun ça c'est dans l'autre localité le sorti sûrement dans localité par la kagon gang tout pas jamais connaît et bien c'est comme ça bagaille là et si abse a pas dans derrière m'après les peser ça pas garder c'est pas moun dans bloc moi yo arrivé prend et bien mesdames mademoiselles et messieurs Jean ça t'est passé tout en dedans village de Dieu nous songer les la police rentre à faire intervention là et puis moun yo t'est sorti yo a dit chef Izo c'est notre chef il nous protège totalement. C'est notre Dieu sur terre. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, moun croix des missions bitboyer pour river chada passer prend santo ba santo alors, eh bien, yon te sorti al fou le terrain pour dire c'est Izo ka protégé. Comment nous te ka comprendre pour yon bandi dans une zone, les just débarqué soit nos magasin ou bien le débarqué sous route là ou bien go camion marchandise qu'a passé et pas oublié, yon te reproché monsieur de assassinat, détention zam illégal à feu et non seulement ça tout association des malfaiteurs. C'est pour ça yo te reproché. Mais en pile rimeur tout a couru dans la ria pour faire qu'on est monsieur qu'on fait plusieurs coups tout et dans magasin donc frise prend l'argent camper faire opération, c'est pas petite opération, c'est gros opération. Moun sa yo que li frise li prend l'argent pour la l'occuper soit population bien protéger ou nous pas participer dans kidnapping nan tout, nous pas participer dans voler à tout parce que imaginez nous qu'on regarde un film qui c'est Tissonson donc même moun qui t'est porté chaudier que t'es prêté à lui mettre qui pour lui me dit fait tout moun sa au passé donc les bandits ali même li aller soit le prend cob yon l'autre moun nan l'autre bloc ou bien li prend pile marchandise moun nan l'autre bloc. Et puis l'elvin il sépare ba ou manger. Oh, c'est mon chef et donc c'est le chien méchant qui n'est pas méchant. En fait, li casser bien la faire face avec la communauté parce que li protéger nous. On pas participer dans ça qu'a fait là. Oui, ou participer puisque ou a s'y tirer et ceci ou connaît mon nan lui-même. Li pa en force qui légale sous bout de terre et nous connaissons la police même qui sont force qui légale bien que pas Borisite bandi yo joine plus grade bandi yo joine plus l'argent face avec mettre maquette mettre gros magasin qu'a construit mettre gros boutique donc immédiatement yo commencé yo construit ça dans zone là ça que yo fait yo relé bandi ça yo négocier yo façon pour yo pas vinn craser affaire yo ou bien pour moun pas saute l'autre côté vinn voler affaire yo. Est-ce que c'est pas ta la police qui t'a donné en place ça pour que yo bay bon gens sécurité au lieu ces bandi yo enrichi plus et non seulement ça tout bay aux armes et font paquet madiga dans pays ya. Écoutant la police même li a lagué à vide recherche yo faut connait que la police a fait un gros mal avec communauté yo puisque ces bandi ça li même qui bay au sécurité c'est lui qui permet pour l'autre moun pas saute l'autre côté vin entrer avant chien méchant te gon paquet bagay volé te qu'on a déchepillé yo mais avec le chien méchant qui campait debout devant kayo eh bien aucun volé aucun bandi aucun assassin l'autre côté pas vin faire yo mal donc après bon Dieu dans ciel là c'est chien méchant qui protège yo donc est-ce que face avec situation ça nous penser la police lui même pral retirer avis de recherche li a derrière dit Célestin, nèg yo rele chien méchant que yo reproché de assassinat, détention illégale d'arme à feu, association malfaiteur. Donc est-ce que nous comprenons situation ça k'ap déroulé? C'est vrai moun nan ka on bandi, c'est vrai que le ka fait crime, c'est vrai que le ka tué moun, mais depuis le protéger petit groupe pal là. Depuis que le bayo manger même j'en l'autre traité dou, les chefs Izo jounyo kontene manger, li pa même assez pour population. Mais chef Izo, mesdames mademoiselles et messieurs, est-ce que c'est li kachete là à l'agent de travail li fait? Ben non. De même tout pour moun et quoi des missions yo. Donc jounen jodi a mesdames mademoiselles et messieurs, pour te sorti douillard ou bien pour te sorti bon repos ou bien m'te capable dire dans centre-ville quoi des bouquets pour te descendre passer quoi des missions pour même river chada, c'est pas tout bagay qui était facile parce que tout moun qui t'a passé, c'est tracé courir, cartouche à tirer et non seulement ça tout la police t'a créé un moyen pour disperser foule là qui t'a manifesté pour que la police capable retirer avis de recherche derrière chef gang ça qui c'est
Claudie Célestin alias chien méchant que population en lui-même lui arrivé fait connait que chien méchant c'est seul garde yo gagné qui protéger toute zone qui empêcher l'autre chien dans l'autre zone l'autre chien méchant alors dans l'autre zone entrer vinn déchepiller ou vinn manger viande yo ou bien vinn prendre toute tiresse ça que yo te procédé. C'est pas celle nan commune Croix des Bouquets te gen gros tension et bien nan la coupe Port-au-Prince te gen gros tension côté que docteur te sorti d'ailleurs pour al manifester pour mander libération docteur Lord. Donc nous connaissons un jeune petit docteur qui a 28 ans cap travail qui décidé bay pays le soin parce que c'est là que li apprenne non seulement ça. Information au fait qu'on est plusieurs fois que li joigne opportunité pour que li quitte pays pour l'al travail ou bien pour l'al continuer bay soin, pour l'al continuer apprendre de ça que l'te commencé à qui c'est la médecine dans l'autre pays. Mais li dit maman, li pap ka quitte, li dit papa, que li pap ka quitte ou pas Borisite. Et ceci, côté bagay la pitrice, c'est que yo kidnappé sous route canapé vert ensemble avec ménage li. Situation vraiment paraît difficile. Donc journée jodi a mesdames, mademoiselles et messieurs, même Jean yo te fait pour docteur Télémaque, et bien yo l'autre fois encore tout médecin yo mette force yo ensemble, t'al fou les béton journée jodi a yo a crié pour que yo libéré docteur Lor qui sont jeune médecin capable population en soin. Si c'est comme ça bagaille la pape aussi facile pour que yo a kidnappé docteur et docteur a la qui gen cartouche qui gen tête cassée qui gen pied cassé, c'est au même qui là qui pour bay soin. Donc situation vraiment vraiment compliquée et non seulement ça tout l'autre côté yo groupe moun a manifesté pour dire ouais pas ouais d'accord pas d'accord. Et bien 7 février fok président Jovenel Moïse rache Mayok li baite ya pour yo capable fini avec avec question de sécurité ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ou même capteur des journal ça, m'a posé tête mon question ça, et ou même tout posé tête aux questions, hein, après président Jovenel Moïse finalé. Est-ce que situation nous a changé, Jean, que opposition a dit? Est-ce que a bien sécurité 24 sur 24? Est-ce que tout ça y a dit qui pas bon par rapport avec gouvernement ça? Eh bien, tout pral marché soit pour nous ou bien j'en étais capable dire est-ce que après président finalé c'est lettre ak miel qui pral couler pays d'Haïti ap vin tourner yon canara. Rete là, pas déplacé. Gros nouvelle mon amyo, bienvenue, c'est sous taxe 609 ou connecté wap koute voix de l'Amérique. N'importe côté où y est, depuis où c'est haïtien ou doit kon tout sa kap passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là capable avancer. Zami Pao Foucault. Surtout sous Haïti avec les États-Unis avec ça qui chauffe. Sérieusement ici aux États-Unis avec processus destitution président Donald Trump qui a parlé là pour entrer dans l'histoire comme premier président qui subit deux impeachment après que chambre députée a parlé là pour voter et yon mise en accusation officielle. Donc on est mise en accusation l'elfin saute dans Sénat dans chambre députée li pral dans Sénat. Donc Sénat c'est prochaine étape après que yo fin député yo fin voter en faveur et impeachment là en suivre. Vice-président Mike Pence a été rencontré avec leader américain hier mardi pour la première fois depuis deux blousards qui étaient éclatés dans Capitol Hill là et assemblée numéro 2 administration Trump là pas vle Jean démocrate ta souhaité pour invoquer 25e amendement dans la constitution États-Unis pour déclarer M. Trump incompétent et puis retirer ce pouvoir dans Washington temporairement. Alex Ezard, c'est ministre santé et service social dans l'administration Trump là. I'm not gonna get into or discuss the 25th amendment here. On pas pral faire aucune discussion sur 25e amendement ici de là. Kounye la démocrate pa gen aucun autre choix excepté destituer président Donald Trump même s'il était quelques jours seulement dans Mandalia. Brian Kalt, c'est professeur en faculté de droit, Université d'État Michigan. Removal is the main consequence of being convicted. L'évocation, c'est conséquence principale d'une condamnation et c'est un point discutable une fois mandat fini. Mais il y a une autre conséquence tout qui s'est disqualifié pour ne pas jamais chercher une fonction de l'État dans l'avenir. Il y a un sénateur républicain, Pat Toomey, qui même dit comportement M. Trump pourrait empêcher de poser candidature pour poste président en 2024.
I don't think he's a viable candidate for office. Il pas jamais capable de retourner comme un candidat viable à cause comportement chien enragé il était adopté dans période après élection. Un procès contre Trump dans le Sénat pour dépasser quantité de temps il était dans Mandalia. Président élu Joe Biden dit la presse jugement ça pas pour retarder nécessairement travail administration lien parmi au plan soulagement pour pandémie coronavirus là. Nous voulons passer demi-journée dans le procès et demi-journée pour confirmer les gens qui sont nommés dans le Sénat et puis pour faire plan mieux avancer. C'est espoir à qu'attendre PAMSA. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. Et donc, et pendant ce temps, sécurité à son sécurité haute pote, qu'on dit dans la caille, ces mesures sécurité au maximum parce que gagnent un paquet et menace qu'a fait sous jour ça, on a parlé de 20 janvier 2021 côté Joe Biden pour le prêter serment comme 46e président des États-Unis. Donc, agence qui l'a pour assurer sécurité dans la journée côté président élu à Joe Biden pour le prêter serment, soit mercredi 20 janvier, fait qu'on est, yo prend bon gens disposition pour éviter yo répétition incident côté plusieurs milliers partisans président sortant et Donald Trump te prend local congrès d'assaut et puis côté la mort, te gen la mort 5 moun. Nous parlerons plus de détails avec Lionel Demarat. Dizaines de milliers de membres de la garde nationale qui sortent dans divers États prennent position à travers la capitale, Washington DC, pas plus tard que dans la fin de semaine ça même. Magistrat communal Villa, Madame Muriel Bowser, fait qu'on est cérémonie prestation de serment M. Biden, présenté en pile défi. Défi qui gagne rapport, entre autres, avec pandémie COVID-19 là, et puis menace groupe extrémiste. People coming to demonstrate peacefully are very different than the people. Magistrat Bowser a déclaré, moun qui te vini ici là pour manifester pacifiquement, c'est pas même moun nou te wè qui te envahi local congrès à l'autre jour. Et me penser nous pral démontrer que individu sa yo c'est moun qui t'est entraîné qui t'est bien organisé en van yo tal poté bourré sous congrès. Dans journée mardi 12 janvier, bureau investigation fédérale la FBI te fait connait li recevoir environ 100 000 vidéos avec photos qui capable servir comme piste pour une enquête et autorité la justice yo ouvri 160 dossiers dans cas jugement yo pral faire contre moun qui t'est lancé attaque sous congrès. Steven Dantuono, c'est vice-directeur bureau FBI là dans Washington. Focus strictly on sedition charges. Monsieur Dantuono fait qu'on est, nous centrer attention sur rébellion qui t'est faite contre l'ordre établi. C'est ça qui est objectif nous et n'a traité à faire ça tant qu'une opération contre-espionnage ou bien une opération antiterroriste grave. Autorité américaine concernée yo te suivre pendant plusieurs semaines sur internet là activité extrémiste de droite yo avec suprémaciste blanc yo activité qui t'est encouragé attaque qui t'est faite sous congrès à nan date 6 janvier passé a kounde la yo fixé attention yo sous moun qui a planifié plus de violence toujours pour jou k'ap vini avant cérémonie prestation de serment et puis pendant cérémonie en même. Merci Lionel Demarat. Lionel Demarat, tu parles avec nous depuis Washington DC. Je dis à Washington DC. L'IPAT Silver Swing n'a pas retourné encore dans Washington DC. Dans le moment où on a parlé là, il y a une chambre de députés à Cap voter parce qu'ils ont fait deux votes aujourd'hui. Ils ont fait un premier vote déjà et qu'on y a eu pour faire un vote final sur question mise en accusation, impeachment. Là, c'est ça qu'on a regardé là, qu'on y a en direct depuis et chambre députée. Donc, nous avons tendance là pour aller et dans la direction impeachment là parce qu'on y a gagné 134 démocrates qui déjà voté pour. Et puis, gagnons pas qu'à 100 combien qui votaient contre. Donc, il y a une situation. Donc, gagnons environ 160 députés qui déjà voté. On a gagné plus de détails sur point ça qui dominait l'actualité. That upon adoption of this resolution, it shall be in order without intervention of any point of order to consider in the House resolution, House Resolution 24, impeaching Donald John Trump. 45e président américain Donald Trump entré dans l'histoire comme premier et seul président qui tombé en bas deux résolutions impeachment, deux mises en accusation dans toute l'histoire des États-Unis. Chambre députée qui en bas contrôle démocratique accusé président Donald Trump de ce que lui t'es chauffé tête monde pour faire insurrection qui donc dérangeait fonctionnement normal d'une institution démocratique pays dans 6 janvier 2021
dans le moment congrès tu as certifié votre collège électoral là qui bail Joe Biden comme vainqueur élection présidentielle 3 novembre. Vote la passé avec 217 pour, donc toutes ces démocrates, avec 203 contre, toutes ces républicains, avec 13 députés qui pas voté ou bien qui neutre, qui c'est 5 démocrates avec 8 républicains. The president of the United States incited a deadly insurrection against America. Président chambre députée, démocrate Nancy Pelosi, qui prend la parole après vote là, expliqué, président poussé yon foule moun, al fait violence, fait rébellion armée contre Congrès et mettait en danger pays nous remet, mettait en danger sécurité qui se base démocratie. Li dit président Donald Trump, c'est en danger. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment. Président Donald Trump dit ça fait impeachment là ridicule et que li pave les violences et ont été mal interprété ça le dit si janvier. I want no violence. Thank you very much. Oui, tant qu'on entendait là président Donald Trump dit lui-même li pa vle violence. Qu'on y a dossier a quitté chambre députée pour aller dans Sénat pour procès en destitution côté démocrate besoin au moins 17 républicains pour totaliser majorité 2/3 constitution exigée. Afin de aller que dans moment n'a parlé là gagnon cessation travail et Sénat. Gagne plusieurs sénateurs républicains qui déjà fait défection qui dit yo en faveur impeachment donc yo en faveur destitution président Donald Trump. Donc, Jean, nous avons suivi là, un dernier élément, encore une dernière étape pour finaliser et mise en accusation, résolution déjà votée déjà. Nous sommes bon chiffre et dans le moment, nous avons parlé là, vote a fait pour qu'on gagne. Il y a un démocrate qui vote contre, mais nous joignons 7 républicains qui déjà et eux-mêmes en faveur et il y a plusieurs républicains qui déjà dit eux-mêmes leur. Et résolution venue dans le Sénat, ils ont même y a voté en faveur. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi actualité dans le pays d'Haïti. Opposition politique a réagi après un nouveau bureau, 4 membres qui gagnent dans le Sénat, qui gagnent en tête li. Sénateur Joseph Lambert installé dans tête tiers Sénat qui a fonctionné mardi 12 janvier. Y a un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Règlement du Sénat. Et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. C'est sénateur Joseph Lambert qui prédit ses mains comme nouveau président Sénat haïtien et qui prend fonction mardi 12 janvier 2021, une institution qui a fonctionné depuis l'année passée avec 10 sénateurs. Ipso facto, il est trouvé dans une situation de dysfonctionnement. Dysfonctionnement, vous l'avez dit pour autant. Disparition Sénat. Sénateur Joseph Lambert, dans le discours, critiqué président Jovenel Moïse, lui dit qu'il n'a pas consulté le Sénat haïtien dans la démarche pour monter le Conseil électoral provisoire et le comité consultatif indépendant pour élaboration du projet de changement de constitution haïtienne. Il y a un CEP qui monte dans des conditions où vote pas fait ou bien prestation de serment pas faite par devant la Cour de cassation. Et qui a annoncé l'élection. Nous gagnons commission consultative sur question élection, sur question constitution. Nous-mêmes, je vous dis, dans le Sénat, nous n'avons jamais été consultés, ni même invités par l'exécutif. Nouveau président Sénat, sénateur Joseph Lambert, dit qu'il prend le rôle médiateur entre différents secteurs dans la vie nationale pour résoudre la crise politique. Il faut que nous prenions toutes dispositions pour que dans les jours à venir, nous sommes capables de faire une retraite pour nous déterminer et évaluer la situation pays, la situation politique, la situation sociale, la situation économique. Et faire du Sénat le centre de préoccupation de tout secteur qui gagne dans le pays pour nous mener à la table du dialogue. Pour arriver à un compromis politique, un accord politique, dans une période où il y a un chaos qui est annoncé. Et chaos ça qui est annoncé, il faut que nous essayions nous-mêmes, en tant que responsables, en tant que sénateurs, jouer le rôle
je partitionne. Banco de Pal, René Civil, qui c'est coordonnateur national, parti politique, émergence patriotique, et puis tout, qui c'est membre secteur démocratique et populaire, là, souhaitait, sénateur Lambert, qu'on ait que mandat président Jovenel Moïse à bout 7 février 2021. Si Lambert voulait faire au sein de l'opposition, trouver un compromis que nous-mêmes nous avons capacité, nous commencer à travailler sur lui, s'il voulait venir par écoute meni pour un compromis entre l'opposition pour permettre nous remplacer Jovenel Moïse le 7 février au plus vite que possible, c'est bien. Même pas, s'il a cherché un compromis tout, avec la reconnaissance de la fin de mandat de Jovenel Moïse le 7 février 2021, suivant article 134.2 et 239 de la loi électorale que Jovenel Moïse a élu, on a bien content compromis pour faire passation de pouvoir fait de manière en douceur pour éviter cassure. Si c'est dans ce sens ça, Lambert parler, c'est aussi bien. Mais si Lambert a censé mettre dans la tête, li, si on travaille et acheter Kaldab Binfela, parler de compromis avec un président qui mandat fini, constitutionnellement parlant, d'après Lambert, tête pas tape droite. C'est une situation qui paraît très compliquée puisque président Jovenel Moïse campé en Damban pour le 17 février 2022, mandat à bout. N'a rappelé que nouveau bureau Sénat haïtien constitué avec sénateur Joseph Lambert comme président, sénateur Kedley Augustin vice-président, Garcia Delva, premier secrétaire, et Ralph Fétière comme questeur. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, processus électoral a continué dans le cadre de volonté pour réaliser, bon côté gouvernement, pour réaliser élection locale, législative et présidentielle année ça. Correspondant nous, et Massado Vilme a abordé question 4 électorales dans la région reculée après-midi. 19 septembre 2021, c'est date que le Conseil électoral provisoire prévoit pour réalisation premier tour élection dans le pays pour poste président, sénateur et député. Cependant, quelques habitants nous croisent dans la 7e section commune Pétionville-Grosjean pour qu'on ait un meilleur numéro d'identification unique, NIU, qui t'a donné un citoyen droit pour faire choix de mandataire. Bon, 4 là, bon, vraiment. Il y a plein de monde qui parle. T'as comme moi-même. 4 mois, je t'ai volé. Depuis madame, je n'ai pas de comourir. Je saute pour un cob la banque et puis 4 là, vraiment, je n'ai pas de 4 là. Son monde, je saute pour un cob la banque pour les gens qui parlent 4 pour faire 4. Parce qu'on ne peut pas vivre sans pièces, il faut qu'une pièce. Pour me faire, même pas le prendre. Du côté de l'Alfel, c'est votre frère. Mais si nous sommes là, dans la zone, c'est le plus bon pour nous. Toutefois, même Task Force Identification, administration Moïse Joutla, fait qu'on ait fait effort pour arriver à identifier tout le monde qui vit sur le territoire national. Là. Monsieur Jude Jacques Elibert, directeur général Office national identification ONI, et Paul André, président Fédération nationale Kazekyo, a bail plus de détails. Nous avons lancé une campagne depuis de 40 jours pour nous faire justement une livraison. Donc, dans 400, nous avons fait à peu près de 400 000 enregistrements et nous baillons environ de 300 000 cartes que nous avons livrées. Mais nous faisons une campagne spéciale le 26 et le 27 décembre qui permet nous à approcher, envoyer texte, message, SMS sur plusieurs téléphones mondiaux. Nous avons envoyé 500 000 textes, par exemple, pour le week-end 26-27. Là. Et nous avons arrivé à descendre de millions que nous avons dans mes mains. Nous avons profité à descendre à 800 000 cotes qui étaient dans le même pour nous remettre à la population. Nous avons le numéro 8822 qui sont les doléances pour relayer, pour demander ça qui passe. Nous n'avons pas besoin de 4 moyens. Qui est capable de jouer 4 là? Pour opérateur capable de pour dire ça qui passe, est-ce que tu es bloqué dans le système de vérification? Ou bien est-ce que c'est nos mauvaises locations liées? Nous allons chercher, nous allons le pour nous allons dire qui côté pour venir récupérer 4 là. Finakali même, gagner. Responsabilité à travers Kazek, tout le pays d'Haïti, pour que nous fassions sensibilisation. Qui ça nous fait? Chaque section communale gagne une ou deux ou trois mégaphones pour que nous arrivions à sensibiliser le peuple, paysans. Et
côté nous y écolia. Nous déjà soumettre by ministère de la justice environ 400 clerc sous 572. À rappeler, c'est 572 clerc cap sorti dans section communale yo qui proposé par Kazek yo pour que yo capable pi près population pour problème d'identification fini résoudre une fois pour toutes. Depuis Port-au-Prince, moi ici Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé. Pendant ce temps, conseil électoral là lui-même l'a avancé et le bail date dans le calendrier électoral là côté activité au pral démarrer et surtout a gagné pablé référendum dans tout dans cadre et activité que conseil électoral ça doit réaliser. Et puis sous initiative ministère de la justice t'ai gagné un atelier 3 jours qui était fait sous détention préventive prolongée. Atelier ça a pour objectif sensibiliser acteurs dans chaîne judiciaire sous nécessité pour travail pour résoudre problème détention préventive prolongée dans pays. C'est un atelier qui a fini jeudi. Nous gain déclaration ministre justice là et Rockefeller Vincent dans occasion premier jour. Le peuple, notre seul patron, veut et exige des résultats. La détention préventive prolongée ne sera jamais éradiquée sans responsabiliser les acteurs, les juges à tous les niveaux, les parquetiers à tous les niveaux. Ils doivent respecter strictement les délais légaux dans le traitement des dossiers. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doivent s'entendre sur une approche par résultat en vue d'une évaluation annuelle du magistrat. Et un magistrat qui traite, par exemple, moins de 70% de ses dossiers doit tout simplement être sanctionné. Trop de dossiers remplissent sans traitement les tiroirs des tribunaux et cours. Toutes les enquêtes pointent du doigt le manque de performance des acteurs judiciaires. Les autorités disciplinaires ne sont peu efficaces et les exécutants traînent les pieds. La corruption dans le système est la conséquence logique de cette lenteur. Il faut mettre un terme aux souffrances des justiciables. J'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Je veux pour ma part traduire ma détermination à assainir les institutions qui relèvent de mon autorité. Les commissaires, les substituts, les greffiers et les huissiers sont tenus de respecter les prescrits légaux. Je travaille en vue de répondre dans la mesure du possible à leurs revendications. Cependant, ils savent tous que le service public de la justice ne doit pas être discontinué. Le bon fonctionnement de la justice fera la grandeur de notre pays. C'est une mission commune et une responsabilité partagée. Mettons-nous les mains, chacun en ce qui le concerne, pour faire fonctionner correctement la justice haïtienne. Maître Rockefeller Vincent, c'est ministre justice et sécurité publique dans le pays d'Haïti. Et puis, un dernier point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, avec le financement bureau INL, cap bataille contre narcotrafic et direction police nationale là, et bien, il arrive gradué et puis intégré un deuxième groupe policier dans le corps d'intervention maintien l'ordre Simo. Un reportage, Jodelet Junior Saint-Ville. Projet pour Udmo et Simo, deux corps spécialisés en dans PNH, l'arrivé fait un seul là, après possible. Comme ça, yon deuxième cérémonie graduation déroulée dans Basio qui trouvait le nom Moncas, département Nord-Est, lundi 11 janvier 2021, en présence plusieurs personnalités dans haut état-major police nationale là, représentant ambassade américaine, ak représentant bureau cap lutte contre affaires narcotrafic ANL. Directeur général PNH là, monsieur Léon Charles, dans intervention le fait qu'on est, initiative si là, rentré dans plan développement PNH là gagné, sorti dans l'année 2017 pour bout dans l'année 2021. Monsieur Léon Charles. La direction générale de la police nationale d'Haïti
dans le constant souci de faire face à ses multiples responsabilités, particulièrement à celles consignées dans le plan stratégique de développement 2017-2021 et d'orientation de la PNH, cherche toujours la parade d'optimisation de l'efficacité et du rendement des actions de ces différentes unités dans leurs actions. Aussi, nous avons choisi de prendre l'heureuse initiative pour une police de proximité professionnelle, d'unifier les deux unités UDMO et CIMO, non seulement dans leur ensemble, mais encore dans leur unité de commandement, en vue de rendre leurs actions plus opérationnelles, plus mobiles et s'exécutant strictement dans le cadre du strict respect des droits de l'homme. Formation ça a quitté duré 30 jours avec participation 22 anciens agents UDMO qui viennent pourquoi il y a la agent CIMO pour le permettre de gagner plus capacité à compétences pour mettre l'ordre. La cérémonie d'aujourd'hui nous réunit pour consacrer la fin de 30 jours de formation qui a vu la participation de 22 membres de l'institution policière dont l'objectif vise l'acquisition des compétences et outils nécessaires portant sur le renforcement de leurs capacités pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Nous exprimons nos vifs remerciements à toutes celles et ceux qui ont facilité la réussite de cette formation, tout particulièrement l'ambassade des États-Unis qui, à travers la NL, a apporté son appui financier et logistique. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci, Jodelet Junior Saint-Ville. Nous retournons à Washington DC et nous allons rejoindre Jean Aubert qui a les yeux fixés sur la chambre députée. Donc, Jean Aubert Philippe est pratiquement le président Donald Trump rentré dans l'histoire. Il rentre dans l'histoire, oui, et Jacqueline rentre dans l'histoire comme seul président qui est. Et qui joignent que joignent les coupables ou bien encore pour retirer ou bien encore pour mettre dans l'accusation pour une deuxième fois dans l'histoire pays. Donc chambre des représentants, bien chambre députée, a était besoin de 217 voix pour te joindre pour te mettre président dans l'accusation. Et bien 217 voix, ils joignent ni plus que ça était besoin. Et bien officiellement président Donald Trump. Eh bien, chambre des députés a mis dans l'accusation et pour ce ça va continuer, document ça qu'on y a dossier par devant le Sénat qui lui-même pas dirigé en tribunal. Et Jean-Aubert fait particulier et il y a 9 républicains qui votaient en faveur et mise en accusation. Impeachment. Non, t'as dit c'est deux partis qui mettent ensemble. Donc c'est pas un seul parti, seulement les partis qui mettent ensemble. Même si il y a moins de républicains qui mettaient, mais au moins démocratie au juin, ça a été besoin pour être capable marquer l'histoire avec le président Donald Trump qui est condamné pour une deuxième fois et comme unique président des États-Unis qui est condamné pour une deuxième fois pour que la Chambre des députés a retiré d'abord, mettez en accusation pour que le Sénat fasse jugement et si je n'ai coupable pour retirer son pouvoir. Et Jean-Aubert Philippe, qu'on y a un dossier à ce la pratiquement est fini, processus là, mise en accusation fini dans la Chambre des députés, donc il prend le Sénat, il y a un Sénat qui pas de travail qu'on y a. Un Sénat qui va travailler, donc l'attente, donc c'est ça qui peut-être un peu le monde dit, bon, ça prend le bon président Donald Trump, puisque entre-temps, le temps que le Sénat est réuni pour faire tout processus par le président Donald Trump a pris à aller, mais il y a un expert qui dit non, c'est pas rien, parce que ça a besoin de la danse. C'est seulement mettre le président Donald Trump en position pour ne pas tourner encore dans l'élection et 2024, si tout républicain, il y a un tarément qui va arriver. Parce que je sentis que le président Donald Trump contrôlait pas le CIA et que tout l'autre monde qui avait les pères a décidé pour eux. Donc, c'est peut-être pour un côté que je sentis que son victoire pour eux-mêmes. Et nous, on tout que Nancy Pelosi, lui-même, lui continue avec ça, toujours quoi. Il dit que le président représentait un danger pour le pays et que vraiment, il était chauffé tête monde. Elle fait insurrection, donc elle fait zac violence pour déranger le fonctionnement d'une institution républicaine, nous voulons dire républicaine, régalienne, nous voulons dire qu'il y a une institution démocratique et il n'a pas changé d'avis lui-même. Il n'a pas changé d'avis et Nancy Pelosi a été salté depuis la première année, premier mandat président Donald Trump, il a toujours été même genre et il a toujours dit président Donald Trump. C'est pas bon président que et américain aimé parce que lui-même il fait trop bagaille et ce dernier événement passé ça gagne une semaine et ben c'est tant qu'a dit goutte d'eau qui déverse vase là.
Et Jean-Robert, et nous connaissons que le Sénat va reprendre le travail 19 et janvier et un petit peu la veille et plus la soutien. Donc, ça va être compliqué, Jean-Robert. 20 secondes. Il faut que ça continue quand même, même après le président Donald Trump a parlé, mais pour le fait que le baratte a commencé pendant l'ILA et d'après l'expérience, il a continué même l'aide pas là, mais au moins un jugement qu'a fait quand même. Merci Jean-Robert. Jean-Robert Philippe qui t'a suivi pour nous. Et processus mis en accusation. Donc, deuxième vote la fête. Donc, conseil président Donald Trump rentré dans l'histoire comme seul, premier et seul président dans toute l'histoire des États-Unis qui subit deux impeachments, deux mises en accusation. Me ramasser paquet, moi. Cause, habitant pas misé la ville. M'bralé. Mais, m'a quitté dans bras papa bonje. Parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah, ou la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.